Retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur koé.fr. Bon, en tout cas, la petite annonce du jour. Passer dans un magazine et tout, alors que tout à l'heure, il y aura le super jeu avec une jeune fille qui va piéger sa mère. Voici la petite annonce. Perdu à Comble-la-Ville le mercredi 29 décembre. Ça fait maintenant, hein. Secteur marché couvert, valeur sentimentale, récompense si vous l'avez trouvé. Il a perdu son portefeuille vert. Alors, combien on lui demande en récompense? 4 millions. Non, mais s'il y tient. De combien? 200, c'est beaucoup. C'est... Non. 150. Dans le public, combien on lui demande? Eh, c'est de la thune, on partage les enfants, hein. S'il y en a pour moi, il y en a pour 50, vous. Il dit le jeune homme. 50. C'est pas assez. Mais c'est quoi ça? Tu ne vois pas le. 200. Allez, on tape entre les deux. 150. Ouais, 150, c'est bien. Ça vous va 150? Elle s'appelle Betty, la demoiselle. On fait voix truquée ou pas voix truquée? Ah, oh bah oui. Ah, oh bah la voix du ravisseur, c'est toujours un plaisir. Là, c'est bien parce que ça peut faire normal. Mais oui. Hein? Ça fait Bernard Lavillier. Ça fait couille. Oh, ça fait le gars qui a une grosse voix, tu vois. Vas-y, appelle. Ceci est un appel anonyme. Voilà. Je vais essayer 150. Promets pas. Et allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. J'appelle pour l'annonce pour le portefeuille. C'est quoi cette connerie? Pas du tout, pourquoi? C'est quoi cette voix et cet appel masqué là? C'est ma voix? Ouais, c'est ça. Alors, je ne vous le cache pas, c'est un appel anonyme. Complètement, ouais. Pour cela, je ne vous dirai pas mon nom. Oui. Donc, je peux vous le rendre. Oui. Votre portefeuille. Oui. Voilà. C'est quoi cette grosse blague? Non, mais j'ai retrouvé le portefeuille. Il est quelle couleur? Oh, il était vert. Pardon? Il était vert. Et il y avait quoi dedans? Il y avait plein de trucs. Non. Bah si. Il y avait quoi dedans? Bah, il y avait papier. Il y avait un truc très particulier. Ah, moi, je l'ai pas fouillé, moi. Oh là là. Ouais, mais on ouvre. Ah, pas du tout, je me permets pas, moi, attendez, oh, je demande des rançons, mais je suis un minimum honnête, quand même. Ah, d'accord. Enfin, attendez, ben, vous croyez que les voleurs, on est tous à mettre dans le même sac? Bah, je sais pas, moi. Non, bah, enfin, attendez. On s'intéresse mais... quand même à ce qu'on vole, non? Bah, ben, pas du tout, d'abord, je l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Bon, il était où? Il était par terre. Oh, facile, ouais. Bah, par terre, il était par terre. Il était du côté du marché couvert. C'est vrai. Mais c'est normal, c'est ce que j'ai mis dans l'annonce. Tout là, à fait. Vous prenez pas de risque. Bah, c'est là que je l'ai trouvé. Bon, bon alors. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez le retrouver, il oui. va falloir mettre la main au portefeuille. Enfin, bah, vous en avez plus, mais vous avez... Je demande 150 euros. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Oh putain, j'ai dit que c'était un appel anonyme. Alors, 150. 150 euros pour un bout de plastique? Ouais. Vert, en plus, donc... Excusez-moi. Ça y est, c'est revenu. Bon, à part ça, je suis encore quand même en réunion, là j'ai un peu de oui, boulot. Oui, bah attendez, moi aussi, sinon je le torture avec un sac en plastique, alors attendez, hein. Vous voyez, là, il y a un moment, 150 euros, bon, 100 euros. Non, ça allez. Va pas, ça, non. Allez. 190, ça va, je demande 90. 90 non, euros. Vous m'avez pas dit ce qu'il y avait dedans, moi je mais vous avez dedans, un vieux truc volé à quelqu'un d'autre. Hein? M'en fous, moi. Il y a des pièces. Non, il n'y a pas de pièces. Merde. Eh ben, il y a des gens qui en ont remis. Des pièces. J'ai 90. 20, de toute façon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé et j'ai 30. Dit 20 euros, pas plus. Oh, 15. Allez, 15. Parce que ah, c'est vous. Bah là, d'accord. Ah, bah, alors, pour 15, je veux bien. Parce que des fois, il y a des gens qui disent alors, 15 et puis ils donnent pas. Alors, d'accord, 15, je suis d'accord. Parce que je. Ok, top là. Allez, 15. Top. D'accord. C'est pas bon, dément. Où est-ce qu'on fait l'échange alors? Ce soir, minuit, au Mammouth. Il y en a plus. Oh. Au mammouth de... Au continent de con... Il n'y en a plus non plus. Oh, de Comble. À l'intermarché de Comble-la-Ville. Ça y est, Leclerc. Le Leclerc de Comble-la-Ville. Il y en a plein des Leclerc. Bon merde, vous avez bien des supermarchés quand même. À ce prix-là, tu prends un ED ou un Lidl. Ouais, devant le Lidl de Comble-la-Ville. Et à la gare, ce sera peut-être pas plus simple. C'est plus simple. Alors, à
minuit à la gare de Combleville. Allez, ça marche. Ok, vous me reconnaîtrez, j'ai une voix comme ça. Et le d'accord. Visage pareil. D'accord, et je suis flouté du visage. Et je marcherai en disant à qui ce portefeuille pour 15 euros, ok? Bon, allez, Jean-Pierre, faut que j'y aille, là. Allez, salut, Betty. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Ouais, au revoir. Salut. Ciao, bis. Ciao, ouais. Tous les soirs, 21h minuit, Koé est sur Énergie. Retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur koé.fr.